Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour un nouveau quintet pour demain. Ça sera du plat cette fois-ci. Alors avant ça, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui. Le dimanche 13 mars, c'était à Cannes-sur-Mer, réunion à course 4. Départ a eu lieu à 15h15, il y avait 13 partants, 1609 mètres, départ Autostar. L'arrivée était 6, 8, 4, 13 et 5. Donc dans ma sélection, je vous donne le tiercé, le quartet et le quintet dans le désordre. Bon, c'est des rapports cacahuètes, hein, comme je vous ai dit hier. C'était une arrivée de favori. Et dans mes 5 chevaux, je vous donne le tiercé dans le désordre. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça valait pas trop le coup, à part le couplet gagnant placé qui paye. Il y avait moyen de toucher avec mes 5 premiers chevaux de ma sélection. Voilà, il y avait la boule et les 2 sur 4. Mais bon, je pense que tout le monde en France a dû toucher. Car c'était un quintet quand même très facile à trouver. Après, il fallait trouver l'or. J'espère que vous l'avez trouvé. Alors, pour demain, une course plus difficile, je pense que le PMU va vouloir reprendre l'argent qu'il nous a donné aujourd'hui et hier. Donc, ça sera le lundi 14 mars à Chantilly, réunion à course 1. Départ à 13h50, il y aura 2700 mètres sur la PSF, il y aura 16 partants. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 6, Honor en plissure, de Stéphane Pasquier. Je vous ai mis le 2, Checkpoint Charlie, de Mendy Zabal. Je vous ai mis le 11, Temps Fantastique, de Barzalona. Je vous ai mis le 10, Saint-Nicolas, de Christophe Soumillon. Je vous ai mis le 8, Zillion Sun, de Théo Bachelot. Je vous ai mis le 13, Escapade Nocturne, de Baron. Et je vous ai mis le 15, Master Power, de Lemaître. Et le 7, Piette, de Picon. Et en cas de non partant, je vous ai mis le 1, Yoker, de Maxime Guyon. Je répète ma sélection, le 6, le 2, le 11, le 10, le 8, le 13, le 15 et le 7. Et en cas de non partant, le 1. Mes conseils de jeu, comme je vous dis souvent, au plat, l'obstacle, faites des couplets gagnants placés 2 sur 4. Donc vous prenez mes 5 premiers chevaux, qui est le 6, le 2, le 11, le 10 et le 8. Vous faites ça en couplets gagnants placés 2 sur 4, ou vous prenez des bases pour des multis. C'est comme vous voulez. Donc voilà les amis, on va essayer de continuer comme cette semaine a été une semaine de folie. Vous pouvez aller voir les résultats. Bon, comme je vous ai dit aujourd'hui, ça n'allait pas payer. Donc pour ce début de semaine, je vous souhaite bon courage à tout le monde. Je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier.